Si on entend le son à gauche, c'est que l'obstacle est à gauche. S'il est tout droit, c'est que l'obstacle est devant nous. S'il est à droite, c'est que l'obstacle est à droite, plus vers la droite. Et donc, on se décale en fonction de ce qu'on entend. Si on entend un obstacle plutôt à droite, on va se décaler vers la gauche et on va contourner comme ça l'obstacle. Une canne blanche, c'est bien, mais quand on arrive sur les obstacles, souvent on se cogne dedans. Donc souvent la canne se tord. En plus, ça donne des coups dans les bras, dans les côtes, tout ça, dans la poitrine. Et y a les obstacles en hauteur aussi. C'était pas rare que je rentrais avec le front en sang. Depuis que j'ai Rango, c'est quand même plus simple parce que le Rango détecte les obstacles à distance, devant moi, sur les côtés et en hauteur. Et donc, j'ai beaucoup moins de coups, beaucoup moins de stress, donc